Hello, hello! Coucou tout le monde! Dans ce tutoriel, je vous propose aujourd'hui de réaliser avec moi des roses que vous voyez apparaître ici avec les feuilles que j'ai réalisées avec le dies Leafy Accent. Je vous mettrai le lien du tutoriel des feuilles en barre de cette vidéo. Pour l'instant, nous allons réaliser ces très jolies roses. Très très brillante comme j'aime, avec grande surprise ce die Small Wide Rose dans lequel j'avais déjà réalisé un tutoriel avec des fleurs comme celle-ci. Donc vous voyez, nous allons aujourd'hui réaliser dans tout à fait le même die quelque chose de très très différent. Et donc, beaucoup de possibilités de fleurs différentes avec ce die. C'est génial. J'avais aussi réalisé des fleurs vélum. Donc, vous voyez comme on peut faire de différentes formes de fleurs en tout genre. C'est génial. J'adore vraiment cette collection. Elle est super. Eh bien, si vous êtes prête, ça tombe bien parce que moi aussi. Alors, c'est parti! Belle création à toutes! Pour réaliser donc ces roses, j'ai déjà préparé tout le matériel dont j'allais avoir besoin. Déjà, mes blocs acryliques pour tamponner. Ensuite, mon papier. J'ai choisi un papier coloré. Pourquoi? Parce que pour ces roses, il va falloir en colorer devant, mais aussi à l'arrière. Parce que nous allons voir l'arrière. Donc, pour gagner du temps, j'ai choisi un papier coloré, mais vous pouvez très bien prendre le papier blanc, comme je vous montre d'habitude, et colorer vos pétales. Mais il faudra penser aussi à colorer l'arrière. Donc, j'ai choisi ceci, et puis une encre assez soutenue. Alors, j'utilise ici la Stampin' Up. Je vais probablement utiliser en français, le flamant fougueux ou le melon mambo. Je pense plutôt celui-ci. Et puis, ensuite, pour finir à la fin de pailleter et embellir mes fleurs, soit le Crystal Clear, soit le Frosting Powder. Ma préférence va pour celui-ci, mais parfois, j'utilise aussi celui-là. Ça dépend de la couleur, en fait, du papier. Mais ma préférence est pour celui-ci. Mon stylet pour modeler mes fleurs. Si vous n'utilisez pas le mold, vous pouvez très bien modeler vos pétales à la main. Mais je vais l'utiliser quand même pour, vous verrez, fignoler le modelage. La colle, car cette fois pour ces fleurs, nous n'allons pas utiliser le pistolet à colle, mais la colle classique. Alors, on me demande souvent où on trouve cet embout et cette colle. Eh bien, récemment, je l'ai mise dans ma boutique. Vous pouvez aller voir. Et puis, je vais utiliser donc ce set. Vous l'aviez déjà vu, car j'avais fait un tutoriel pour réaliser avec vous les Small Wild Roses, donc des fleurs comme ceci, les fleurs d'églantine en français. Et je vais le détourner aujourd'hui pour faire les roses. Donc, je vais commencer avec, bien sûr, le tamponnage et préparer mon bloc. Ici, je vais en prendre un très grand. Pourquoi? Parce que je vais gagner beaucoup de temps. Je vais poser plusieurs de mes tampons. Je vais poser ces trois-ci et je vais pouvoir tamponner tout à la fois. J'ai donc choisi cette couleur-ci. Ils sont très bien, ces pads. Ils sont très grands. Et il y a beaucoup d'encre dessus. J'aime beaucoup. Donc, vous passez généreusement l'encre sur vos tampons. N'hésitez pas à repasser plusieurs fois. Et puis, c'est parti. Je vais tamponner dans ce sens. Et voici donc mon tamponnage. Donc, je vais en faire plusieurs. Je vais également faire les tampons de ce pétale, car je n'ai pas pu tout mettre sur mon premier grand bloc acrylique. Et donc, je vais tamponner également ceci. Alors,
quand je tamponne, je fais plusieurs toujours pour avoir beaucoup de pétales et ne pas avoir à ressortir mes tampons ensuite. Si s'il m'en manque, je préfère en faire plus. Donc vous voyez, vu le nombre de fleurs que je réalise, quand on sait que qu'un paquet de fleurs coûte entre 8 et 10 dollars ou 8 et 10 euros, eh bien croyez-moi, c'est rentable d'avoir le set vu le nombre que je réalise. Si vous souhaitez juste essayer, eh bien dans la boutique vous trouverez des tamponnages sur papier blanc. J'ai réalisé des lots de découpe pour celles d'entre vous qui souhaiteraient simplement essayer. Une fois que j'ai tous mes tamponnages, j'ai préparé donc mes dies, mais avant je vais les séparer. Les séparer pour faciliter le passage dans la machine avec les dies. Donc vous séparez tous vos pétales et puis une fois que vous avez fait ça, eh bien je vais prendre la plaque de ma Big Shot et puis je vais placer mes images. Donc je vais prendre les quatre différentes tailles. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir faire un seul passage avec quatre dies différents. Et ça, ça me fait également aussi gagner énormément de temps, bien sûr. Donc, je place déjà tous mes morceaux. Donc, comme ceci. Normalement, je vais arriver à placer les quatre, oui. Et puis, une fois que j'ai préparer mes papiers, et eh bien il me reste à sortir les dies. Et vous voyez, les dies correspondent exactement au tamponnage. Donc vous les placez pour trouver la forme. J'ai pas pris le plus facile, celui-là est un petit peu compliqué à trouver. Je n'ai pas trouvé le repère encore, mais il coïncide exactement. Je vais le faire après. Je vais vous montrer avec un autre où là, c'est plus facile. Regardez, là, j'ai une pointe sur mon tamponnage aussi. J'ai juste besoin de venir le placer. Un petit morceau de scotch. Et je peux le positionner sur ma plaque. Alors, je vais faire celui-ci aussi, mais là, vraiment, j'ai un petit peu de mal. Où est le repère? Je laisse tomber, je ferai après. Je continue avec les autres. Et une fois que j'ai tout, vous voyez ici, c'est facile aussi, j'ai une pointe. Donc, très facile, plus rapide. Mais je l'ai trouvé pour celui-ci. J'en ai déjà fait beaucoup. Regardez, voilà. Je positionne les deux autres. Et puis, il me reste à passer tout ceci en un seul passage dans ma machine. Il me reste à récupérer tous mes pétales. Et puis, je vais finir de découper le reste. Donc, vous voyez, je vais avoir tous mes pétales à la fois et je vais donc passer tout dans la machine avant de sortir mon mold pour commencer à modeler mes fleurs. Et puis comme quand je découpe ici j'ai un petit peu de papier rose qui ressort, et bien je vais prendre mon encre et je vais repasser un petit peu sur le haut de mes pétales pour accentuer un petit peu le bout. J'ai positionné tous mes pétales, regardez, tous ces pétales, sur une couleur plus foncée pour que vous puissiez mieux voir. Et donc, je vais rapidement accentuer le haut de mes pétales, mais pas trop. Je passe un petit peu comme ça. Et je vais faire ça absolument sur tout. Et puis, je vais vous montrer comment modeler avec le mold ou modeler
à la main avec le stylet. Les deux sont possibles avec un rendu différent, mais tout aussi beau pour l'un ou pour l'autre. Donc, je vais utiliser d'abord mon molde qui se présente en deux parties comme ceci. Ici, c'est la partie où nous allons poser les fleurs. Ici, ça vient se refermer une fois posé. Donc, vous voyez, j'ai beaucoup d'emplacements. Je vais pouvoir positionner beaucoup de fleurs à la fois et pareil, gagner beaucoup de temps. Donc, je vais les positionner tamponnage face à moi une fois que j'aurai coloré tous mes pétales. Alors, vous pouvez aussi remettre un petit peu d'encre sur le cœur de la fleur en dépassant légèrement. Ça donnera un petit peu plus de couleur. Vous pouvez faire l'ancrage comme ceci également. Donc, je termine tous mes ancrages et nous modelons. Tous mes pétales sont prêts à être positionnés dans le molde. Donc, vous voyez, il y a un sens. Donc, vous tournez le pétale jusqu'au moment où vous allez trouver l'emplacement exact. Une fois que c'est posé, on essaie de plus bouger. Je vais juste mettre un petit peu d'eau, mais vraiment très peu. Je vais bien m'éloigner, bien en hauteur. Pourquoi je mets un peu d'eau? C'est pour que le pétale se modèle plus. Et puis, une fois que j'ai ça, j'ai sur mon molde deux petits trous ici qui correspondent à ceci. Il me reste juste à refermer tout ça. Je vais positionner mes deux plaques transparentes, une au-dessous, une au-dessus, et passer ceci dans la machine. Mes pétales vont ressortir tous modelés. Si je modèle à la main, eh bien, je vais prendre mon tapis, mon stylet avec un embout moyen et un embout plus petit pour les plus petits pétales. Et je vais déjà vous montrer sur un très petit. Donc, je vais d'abord appuyer ici assez fort sur le bout de tous mes pétales pour leur donner une forme déjà. Et puis, une fois que je vais avoir fait ça, je vais appuyer sur le milieu de manière circulaire. Et pour bien faire remonter mon pétale, j'accentue en partant ici du haut vers l'intérieur. Alors, pourquoi sur les petits, il faut qu'ils rentrent vraiment beaucoup? Parce que nous allons faire un bouton. Donc, vous voyez, je vais vraiment modeler très rentré sur lui-même pour que ça donne ceci. Et pour faire le bouton, eh bien, il va me rester juste à tourner un petit peu entre les doigts. Donc, pour les petits, pour les plus gros, c'est le même principe. Je vais vous montrer sur celui-ci. Donc, d'abord, le bout des pétales, tous les bouts, et puis le centre. Je tourne, et là, je peux remonter un petit peu, mais moins. Sur les plus gros pétales, sur les très gros, je vais prendre le gros embout et faire exactement la même chose. Donc, plus vous appuyez, plus vous allez modeler le pétale, bien sûr. Donc, vous pouvez appuyer fort, n'hésitez pas. Et puis, une fois que c'est fait, eh bien, sur le centre, et si je veux remonter un petit peu mon pétale, eh bien, j'appuie sur le bout et je reviens vers le centre, tout simplement. Donc, pour les roses, tous les pétales vont être plus remontés, mais on pourra aussi les écarter. Pas de souci. Donc, voici le modelage à la main et puis je vous montre mes pétales passés dans le molde. Il me reste à l'ouvrir et vous voyez, dans le molde, j'ai un tout autre résultat, un modelage beaucoup plus détaillé. Et puis, le pétale est bien modelé sur les tours, mais il remonte vers moi. Donc, je vais le fignoler à la main. Et il me reste juste à appuyer sur le centre. Vous voyez, mon pétale remonte tout seul. Donc, évidemment, je gagne énormément de temps
pour le tout petit qui va me servir à faire le bouton de rose, je prends mon plus petit embout et vous voyez, j'appuie, ça remonte tout seul. Donc vraiment, vraiment, je gagne beaucoup de temps avec ces moldes. Et maintenant, nous allons commencer à assembler les boutons. Donc pour les boutons, je vais prendre des plus petits pétales. Donc ces deux-ci. Donc je les remonte bien. Et puis je vais déjà en prendre un. Bien tourné dans mes doigts pour le refermer au maximum. Vous voyez, comme ceci. Et une fois que je l'ai refermé, je vais prendre ma colle et en appliquer généreusement sur l'intérieur de mon pétale. Donc cette colle, pas de souci au séchage, elle sèche transparente. Donc nous ne la verrons pas. Et puis vous modelez maintenant votre bouton de manière à ce que ça ressemble à un cœur de rose. Donc à peu près comme ceci. Je vais laisser sécher quelques minutes. Et puis je vais prendre mon second petit pétale, appliquer la colle sur l'intérieur. Vous voyez, j'en mets vraiment bien partout. Et puis je vais venir placer le premier. Donc en quinconce, attention toujours. Et vous refermez bien. Alors là, je n'ai pas assez attendu pour le centre. Il n'est pas assez fermé à mon goût. Donc, je vais attendre un petit peu plus. Donc, vous le laissez entre vos doigts. Et il va se tenir tout seul. Et puis, une fois qu'il est bien collé, eh bien, vous ajoutez le second, bien sûr. J'ai donc réalisé mes deux premiers boutons. Vous voyez, celui-ci continue de finir de sécher. Le plus délicat dans la rose, je trouve, est de réussir le bouton. Une fois que nous avons ça, eh bien, ça va nous servir de base pour le reste. Donc, vous voyez, j'ai pris ensuite le pétale de la taille juste supérieure, l'autre, et j'agrandis au fur et à mesure. Donc, c'est le tour de celui-ci. Je le referme. Et puis vous le refermez plus ou moins en fait selon la forme que vous voulez donner à votre rose. Et puis je vais appliquer donc ma colle, reprendre mon bouton et puis venir le placer au centre de ce pétale. Alors attention, toujours en quinconce pour donner une jolie forme. Donc vous voyez, je peux refermer plus ou moins. C'est comme vous voulez selon la forme que vous voulez donner à votre rose. Donc là, ça commence déjà à prendre forme. Vous voyez, vous tournez jusqu'à temps que ça vous convienne. Voilà, c'est bon pour moi. Je laisse sécher et puis je prends le pétale de la taille supérieure. Je vais le ramener sur l'intérieur. Donc, vous pouvez donner à votre rose une forme très remontée ou alors vous pouvez l'aplatir un petit peu. Ça dépend de la forme que vous voulez lui donner. Vous voyez, elle peut être plus étalée ou plus refermée. C'est au choix. Je pense pour celle-ci les refermer plus en fait. Donc je fais encore la même chose. Donc je vous rappelle, pour le bouton, deux pétales les plus petits de même taille et ensuite un pétale de chaque taille différente, toujours en augmentant. Et puis, surtout, bien en quinconce, vous voyez. Et vous tournez jusqu'à temps que la forme vous convienne, en fait. Vous pouvez tourner ici, puisque la colle ne sèche pas tout de suite. Vous pouvez tourner jusqu'à temps d'avoir le résultat qui vous convient. Donc, voilà ce que ça va donner. J'ai déjà une petite rose qui est très mignonne. Alors, si je veux avoir une plus grande rose, eh bien, je continue en mettant les plus gros pétales et je vais avoir quelque chose de plus gros. Je vais encore en mettre un, je pense. Donc, pareil, j'appuie au milieu. Je vais laisser un petit peu sécher ceci. Alors, vous pouvez aussi reprendre, si vous avez quelque chose d'un peu rond comme ceci, vous pouvez retourner les pétales un petit peu, les derniers pétales, les retourner sur l'arrière
pour donner une jolie forme à la rose. Et puis je vais de nouveau mettre ma colle. Donc vous voyez sur les pétales comme ceci. Et puis sur le centre un peu plus. Et puis je vais bien reprendre ma base et positionner de nouveau. Regardez. Comme c'est joli déjà. Et puis je vais prendre le dernier de la taille supérieure encore et je vais refaire de nouveau la même chose. En quinconce et regardez. Voilà ma rose. C'est quand même super de pouvoir faire différentes formes de fleurs avec un même dice qui à la base n'est pas destiné du tout à faire des roses. Eh bien regardez, voici ce que nous allons pouvoir faire donc avec. Je vais bien laisser sécher ceci et puis je vais finir en la pailletant bien sûr pour lui donner un très très joli effet. J'ai réalisé différentes tailles, donc vous voyez, vous pouvez les écarter plus ou moins, ou les refermer, c'est comme vous préférez. Dans mes albums, je les fais plutôt écarter, parce que sinon c'est très dimensionnel en fait, mais après c'est au choix, sur une couverture d'album ou sur une carte, ça va être très très joli cette dimension. Donc vous voyez, j'ai pris du papier coloré parce que on voit apparaître le rose bien sûr. Alors j'ai fait donc comme je vous dis différentes tailles. Je peux si je le souhaite prendre deux des pétales les plus grands et agrandir encore ma rose, vous voyez, en plaçant deux grands pétales en quinconce à l'arrière. Je vais encore l'agrandir. Et moi, je vais m'arrêter là pour ces tailles de rose. Ici, j'avais réalisé un exemple sans tamponnage, vous voyez, sans faire le tamponnage. C'est très sympa aussi. Beaucoup de détails. Et puis maintenant, j'ai préparé mon papier brouillon. Nous allons prendre la colle, le cristal clear et une éponge et faire pailleter tout ça pour positionner le cristal clear. Donc cette colle, comme je vous l'ai dit, sèche clair, donc aucun problème. J'enlève juste l'embout pour avoir un plus gros flux de colle et je vais poser sur le côté de la colle. Et puis avec mon éponge, je vais venir tamponner dedans et appliquer de la colle sur ma rose. Comme ceci, un petit peu partout pour que le cristal clear soit relativement homogène. Si ce n'est pas assez, vous rajoutez. Donc je vais faire ça évidemment sur toutes les zones, je vous montre juste sur une. Et puis une fois que vous avez fait ça, eh bien vous pouvez saupoudrer le cristal sur votre rose assez généreusement, et puis vous la retournez en secoue pour enlever l'excès. Et pour l'instant ça n'est pas encore très joli, il faut attendre que la colle sèche bien sûr, mais je vais vous montrer le résultat final évidemment. Donc vous faites ça sur les autres aussi. Alors on peut utiliser aussi des paillettes ultra fines, ça sera très sympa aussi, mais j'aime beaucoup ce cristal. Il fait vraiment un bel effet sur la fleur. Donc vous voyez, ça commence à bien briller. Une fois que vous avez pailleté vos fleurs, eh bien vous allez les laisser sécher. Et évidemment, je récupère le cristal clear pour ne pas le gaspiller. Et puis, je vous montre le résultat final. Regardez comme c'est joli avec cet effet pailleté. Et je les ai posés donc sur le papier Stamperia Little Girl. Ça n'est pas par hasard puisque l'album va démarrer la semaine prochaine. Et regardez, sans tamponnage, c'est très sympa aussi. Et puis très très différent
des Small Wild Rose que j'avais réalisé en papier vellum ici. Vous voyez comme quoi avec le même die, nous pouvons faire vraiment différentes fleurs. J'avais réalisé ici ceci avec ce même die. Et vous voyez vraiment très, très différent, mais tout aussi sympa. Donc, beaucoup d'utilisation avec ce dies. Et puis, il me reste à sortir mes feuilles que j'ai réalisées en quantité pour les reprendre et venir les positionner sous ces roses. Regardez comme c'est sympa. Alors, je vais vous remettre le tuto des feuilles dans le commentaire de cette vidéo si vous souhaitez en réaliser. Et puis il y a aussi dans la boutique des coupes de disponibles pour les feuilles si vous souhaitez en réaliser à moindre coût. Donc dans cet album, comme je vous ai dit, qui a démarré la semaine prochaine, je vais utiliser les Small Wild Rose, mais je vais plutôt réaliser des fleurs comme celle-ci pour cet album. Pas des roses, puisque j'avais déjà fait utiliser des roses dans le tuto House of Roses. Donc, je veux changer un petit peu. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Pour cet album, je sais déjà que je vais utiliser ces deux dies, le Fleur Border Basique et l'Elegant Border. Je vais utiliser ces deux-ci, c'est sûr. Et puis, je vais utiliser également celui-ci. Donc, il va démarrer, comme je vous l'ai dit, la semaine prochaine. En attendant, eh bien, je vous souhaite de très belles réalisations de roses. Et je vous dis à très, très vite pour la suite et démarrer cet album bébé. Bisous, bisous. À très vite.